Bonjour à tous, donc bienvenue à cette émission de Internet, de télévision Internet qu'on appelle Colbert en direct. Colbert en direct, ben, c'est l'émission qui est produite par le Cercle Colbert. Le Cercle Colbert, dont je rappelle le gimmick ou le slogan, pour une meilleure gestion publique locale. Alors je le répète parce que certains disent que c'est un oxymore, pour une meilleure gestion publique locale. Alors, comme si ça n'allait pas de soi, ou au contraire, comme si ça allait de soi que la gestion publique locale peut être améliorée. Alors, nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir la sénatrice Françoise Gatel, qui est une des personnalités très connues et très référentes en termes d'expertise sur le domaine des collectivités territoriales, puisque elle a été élue locale pendant de très nombreuses années. Dans l'Ouest, en Ille-et-Vilaine, Château-Giron, ainsi qu'une expérience intercommunale, hein, Françoise, qui était assez large. Et on peut dire, sans trahir de secret, que Françoise Gatel est un des piliers de l'intercommunalité, entre autres. Hein, et vous faites partie des références en matière, notamment en matière d'intercommunalité. Alors, cette émission de Colbert en direct ouvre une série que nous allons consacrer à la décentralisation. Alors pourquoi la décentralisation? Parce que même si c'est un peu un monstre du Loch Ness, hein, cette décentralisation en France, aujourd'hui elle est particulièrement d'actualité parce que, comme vous le savez, on est dans une phase de réflexion et de préparation, Françoise nous dira où on en est, de cette fameuse loi 3D qui a été lancée ou initiée la réflexion il y a maintenant de longs mois, mise entre parenthèses. Avec d'une part le premier confinement, les élections municipales, etc. Et Françoise, on vous interrogera sur le calendrier de cette loi 3D, qui sera peut-être une loi 4D d'ailleurs, parce que y a plein de D qui se rajoutent. Et en tout cas, c'est ça qui nous a incité à ouvrir ce cycle hein, d'émissions consacrées à la décentralisation. Alors, moi, je voudrais simplement poser un ou deux jalons pour contextualiser un peu le sujet, mais ça n'a surtout pas vocation à l'enfermer. Bon, la décentralisation, c'est, pour faire très simple et caricatural, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre les collectivités locales et le plus possible ce qu'on appelle le terrain, hein, les collectivités locales de proximité et l'État. Donc, c'est la question de qui fait quoi, les compétences transférées ou pas, la manière dont l'État laisse les collectivités agir ou pas, avec quel degré d'autonomie. Donc ça renvoie à une organisation des pouvoirs publics, bien sûr. Ça renvoie évidemment à ce qu'on appelle le besoin de proximité. Hein, c'est ce que le président Gérard Larcher appelle être à portée d'engueulade. Hein, c'est-à-dire que les habitants, les citoyens, les électeurs, ben, ils ont envie d'avoir des élus locaux. Entre guillemets, sous la main pour pouvoir exprimer des choses, des besoins, et aussi attendre des élus locaux et donc des collectivités locales un certain nombre de prestations, de politiques, d'actions, etc. Ça, c'est le besoin de proximité. Et globalement, ce besoin de proximité ne va pas en déclinant. On a plutôt l'impression que plus on entre dans la société digitale, plus paradoxalement, il y a un besoin de proximité et on pourra peut-être y revenir. En même temps, et j'allais dire peut-être de l'autre côté, cette question de la décentralisation se pose aussi parce que le Français qui vit dans cet univers où inévitablement l'action publique est présente fait face à une sorte de confusion des pouvoirs, à des dilutions, on ne sait pas trop qui fait quoi, il y a beaucoup de qui, il n'y a pas beaucoup de quoi d'ailleurs, on préférerait qu'il y ait souvent plus de quoi et moins de qui. C'est hyper compliqué, ça prend du temps, on n'y comprend rien. J'ai un langage un peu entre guillemets populiste, mais ce que je dis là, c'est ce que ressentent beaucoup de gens. Et en même temps, on se plaint en France d'avoir trop de dépenses publiques, on se plaint en France d'avoir un endettement public qui est gigantesque. Et donc, face au besoin de proximité qui est réel, avec des actions publiques de collectivités qui sont évidemment indispensables, il y a aussi une sorte de trouble face à mais finalement, ces collectivités locales, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'elles ne dépensent pas trop d'argent? Etc., etc.
Et donc, peut-être pour ouvrir le débat ou votre intervention, les gens disent ben finalement l'État là-dedans. Alors, est-ce que l'État doit contrôler, verrouiller, encadrer? Hein, ça renvoie aux contractualisations, je pense au contrat de Cahors par exemple. Hein. Ça renvoie à la manière dont l'État supervise en amont, en aval, hein, l'exercice des compétences transférées. Ça renvoie aussi tout simplement à ce qu'on appelle la recentralisation cachée, hein, où certains disent ben, l'État reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre, en fait il n'a pas vraiment donné, les élus sont encadrés parce que les tarifs sont encadrés, les barèmes des rémunérations sont encadrés, parce que si je prends l'exemple du RSA, ben, nous, les départements, on ne fait que le guichet, on ne fait que faire des chèques, mais on décide de rien. Voilà. Donc le rôle de l'État là-dedans, il est à la fois pas forcément très clair, un petit peu ambigu. Et on se rend bien compte que plus l'État sera à sa bonne place, plus la décentralisation pourra réellement s'exercer. Et puis, peut-être aussi de second aspect, qui est un sous-jacent de la loi 3D, il y a ce besoin d'expérimentation ou disons de spécification de l'action publique locale en fonction des contextes. On l'a vu avec la crise du Covid, il y a beaucoup de collectivités, d'élus locaux qui disent. Si je prends l'exemple des commerces, par exemple, les commerces en proximité, Monsieur l'État, foutez-nous la paix, hein, c'était la fameuse phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, foutez-nous la paix, laissez-nous décider, nous les maires, par exemple, avec les préfets, je crois que c'est ce qui va d'ailleurs être fait, laissez-nous décider en responsabilité, est-ce qu'on ouvre ou pas la boulangerie ou la librairie? Bon, et ça peut s'entendre. Donc c'est la question de l'expérimentation, c'est la question de laissons un petit peu les gens adapter. En fonction des contraintes et des contextes locaux, et laissons les gens prendre les responsabilités. Et il y a au final peut-être une question, j'allais dire, un peu plus globale, qui est le nombre d'acteurs locaux dans ces collectivités. Est-ce que finalement, et je m'adresse à une experte de l'intercommunalité, est-ce que finalement, quelle que soit la couche du millefeuille, et je vous rappelle, Françoise, que je suis l'inventeur de l'expression millefeuille territoriale, donc je suis assez légitime pour en parler, même si l'expression est négative. Mais finalement, au-delà du nombre de couches dans le millefeuille, qui est un vrai problème en France, je pense, est-ce que couche par couche, le nombre de parties prenantes dans chacune des couches n'est pas trop élevé? Si je prends l'exemple des régions, à juste titre ou pas, on a réduit le nombre de régions. Je dis à juste titre ou pas, mais en tout cas, il y a eu une volonté d'avoir moins d'acteurs dans la couche région. Il y a eu à l'échelon communal à la fois l'intercommunalité qui finalement devrait aboutir à une réduction du nombre de ce qu'on appelle les communes. Bon, alors après, ça renvoie à la commune nouvelle, etc. Vous avez d'ailleurs travaillé très spécifiquement avec des amendements sur ces questions-là. Mais est-ce que finalement, il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, avancer à marche forcée vers une réduction du nombre de communes? Et on pourrait se poser la question aussi des départements. Voilà. Donc la décentralisation, la loi 3D, j'ai essayé de donner quelques éléments de contexte. Hein. On voit que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, quels qu'ils soient ou pas intéressés par la politique locale ou nationale. On voit qu'elle est déterminante parce que en France, la manière dont on dépense un argent public qui est sans doute excessif est extrêmement importante. Parce que si on dépense bien tout ça, ce sera efficace. Et si on dépense mal, ça pèsera. Et donc, ce n'est pas un enjeu anodin, cette décentralisation. Et donc, c'est pour nous très important, et je vous laisse la parole, bien sûr, très important d'avoir, j'allais dire, le son de cloche et aussi l'état de vos réflexions, à la fois en tant que sénatrice, mais aussi, je ne l'ai pas dit, présidente de la délégation sénatoriale à la décentralisation et aux collectivités, succédant au sénateur Bockel. Et dans le cadre de cette délégation en particulier, de nous dire où vous en êtes et quels sont vos scénarios. Voilà, merci en tout cas du temps que vous nous consacrez, Françoise. Et Françoise Larpin prendra le relais, bien sûr, pour échanger avec vous. Merci encore. Merci, merci beaucoup, Jacques. Et je salue Françoise qui a eu la gentillesse d'échanger avec moi pour me proposer cette invitation qui me plaît fort bien. Jacques, je crois que vous avez tout dit de nos mots MAUX, des mots que l'on souhaite, MOTS, que l'on souhaite voir avancer. Vous avez surtout posé la question
parce que je crois que la décentralisation ou la déconcentration ne sont jamais que des moyens et non pas des fins en soi, puisque ce qui doit nous réunir et nous préoccuper, c'est l'efficacité de l'action publique. Vous l'avez dit, Jacques, on dépense beaucoup d'argent. Est-ce que c'est bien dépensé? Est-ce que cela sert la cause? Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Je crois que c'est le sujet qui nous préoccupe. Et aujourd'hui, il y a une pensée forte pour affirmer que c'est au travers de la décentralisation et de la déconcentration qu'on offrira une action publique plus juste. Alors, juste pour situer un peu le contexte dans lequel on évolue, qui est un contexte un peu particulier en France, c'est que d'abord, il y a une affirmation d'une république une et indivisible, ce qui va poser la question de la manière dont on traite la différenciation. Le deuxième principe auquel je tiens, mais qui aujourd'hui ne me semble pas suffisamment reconnu, affirmé dans notre pays, vous l'avez dit, c'est une république construite sur deux piliers, un État fort et puissant, centré sur ses compétences et des collectivités partenaires. Or, qu'est-ce que l'on constate? D'abord, une culture éminemment centralisatrice, très jacobine, et cela remonte, sinon à la nuit des temps, du moins à la constitution du royaume de France, où les rois successifs ont toujours été convaincus que la force de leur royaume et l'unité naîtraient de l'affaiblissement de ce qu'on appelait à l'époque les roitelets, qui étaient les baronnies locales. Donc il y a toujours eu cette volonté d'un État qui écraserait tout ce qui pouvait être spécificité territoriale ou locale pour faire vraiment une France une. Et quand je dis une, c'est une France qui n'est pas pour moi unie, mais qui est plutôt uniforme, alors même que la nature, la culture, la géographie ne peuvent jamais être effacées, et que quand bien même on a un pouvoir qui s'efforce d'uniformiser, toutes ces spécificités et ces réalités surgissent. Et on a une république qui a gardé cette culture, à la fois dans un pouvoir central très fort, mais aussi, et c'est bien la question qui est posée souvent aux législateurs, une fabrique de la loi qui uniformise. C'est-à-dire depuis Paris et depuis le Parlement, parfois on a tendance à faire des lois un peu universelles, très uniformes, qui devraient s'appliquer à l'ensemble du territoire, qu'on soit dans le Cantal, en Bretagne ou ailleurs. Et en même temps, si je puis dire, on constate bien que la différenciation, elle existe dans notre pays à droit constant, si je puis dire, avec notamment les spécificités législatives ou réglementaires de l'outre-mer. Donc, considérer qu'à chaque fois qu'on fait une loi universelle, on doit l'adapter au territoire d'outre-mer, c'est bien reconnaître qu'il existe dans notre pays des différences. Et que pour que les habitants de ces territoires aient le même accès aux libertés et à leurs droits, il faut conjuguer des moyens différents. Et en même temps, si je puis dire, cette différenciation, elle va pas très loin parce que quand on a eu cette demande très forte de l'Alsace pour une sorte de reconstitution de l'Alsace, on a procédé par un droit d'exception. C'est-à-dire, il a fallu faire une loi spécifique pour créer la collectivité européenne d'Alsace. Et donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est est-ce que la loi ne peut pas plutôt fixer un cadre général dans lequel chaque territoire viendrait composer ou adapter en quelque sorte la réglementation pour être le plus efficace possible? Et puis quand je disais que l'État français, sous la monarchie ou la République, a voulu effacer les roitelets, c'est assez incongru de voir que la recomposition des régions que vous avez évoquées, Jacques, s'est traduite par la constitution d'énormes régions qui érigent aujourd'hui des présidents de région en interlocuteurs assez puissants de l'État. On le voit bien quand on a des grandes régions comme le Grand Est ou la Grande-Aquitaine, on a des pouvoirs puissants dans les régions et c'est très bien, et on a aujourd'hui une sorte, pas d'alter ego de l'État,
Mais l'État se retrouve à discuter avec des nouveaux barons locaux et l'État voit bien qu'il a nécessité à adapter son dialogue et à ne plus traiter ces collectivités comme des sous-traitants, mais plutôt comme des partenaires. Donc, tout ça, ce sont des constats d'une culture très puissante et en même temps comment dire, d'une réalité qui fait que, alors même qu'on veut une république unie, indivisible et uniforme, on voit bien le constat. Il y a un nouveau constat qui est. Je suis désolée, vous Oui, mais on ne te m'entendez? voit plus. Ah voilà, c'est bon. Ah ben voilà, ça y est. C'est bon. Donc on a un nouveau un constat qui naît de la crise d'abord des Gilets jaunes. On a vu cette expression de besoin de proximité, mais d'efficacité, de gens qui exprimaient ce que Jacques disait tout à l'heure. Le fait qu'ils ne savent plus qui est responsable de quoi, à qui ils doivent s'adresser et que l'efficacité se perd dans une sorte d'ankylose parce que l'État est trop loin et invisible. Et c'est pourquoi, malgré, on va dire, une participation qui s'affaiblit aux élections municipales, on a encore la reconnaissance du maire qui a le mérite, parce qu'il a porté l'engueulade, comme vous l'avez rappelé, il incarne, il est vivant, on le voit. On peut s'adresser à lui et je pense que la République, l'action publique a besoin d'être incarnée par des personnes. C'est ça qui renoue ce lien de confiance qu'on a perdu. Et puis, la seconde crise qui est arrivée, c'est la crise sanitaire. Et alors, la crise sanitaire, elle illustre parfaitement bien, comme la crise des Gilets jaunes, mais dans un autre champ, le fait que l'État s'est retrouvé totalement hémiplégique, si je puis dire, impotent et impuissant parce qu'il fallait de l'agilité, de la réactivité. Alors qu'on avait des directeurs d'ARS qui rendaient des comptes au ministre, et c'est le ministre qui décidait, l'échelon territorial de l'État qui est représenté par le préfet était totalement ignoré. On a vu dans la région Grand Est des directeurs d'ARS qui ne prenaient pas la tâche de président de département, par exemple, pour leur décrire la situation dans les EHPAD, alors que les EHPAD sont en responsabilité partagée entre l'État et les départements. Le directeur de l'ARS, il ne dépend pas du préfet, il est rattaché à son seul ministre. Et on a vu que cette crise sanitaire, elle nécessitait beaucoup d'agilité, de réactivité, et c'est la proximité qui donne ses réponses, articulées avec un préfet qui doit être en quelque sorte le chef d'orchestre d'une situation de crise. Or, on a vu pendant cette crise qui mettait en cause des décisions sanitaires, mais aussi des décisions en matière éducative, je pense aux écoles, ou en matière fiscale, je pense au DGFiP, que les préfets n'ont à ce jour aucune autorité sur un recteur d'académie, sur un directeur régional des finances publiques, ou encore sur le directeur de l'ARS. Ça veut dire que l'État a à côté de lui des sortes, on va dire, d'objets totalement autonomes et indépendants, alors que pendant une période de crise, on sait bien qu'il faut une cellule de crise avec un capitaine qui, à un moment, coordonne et ordonne. Donc on voit bien que l'État vertical se retrouve impuissant quand il y a une sorte de gros temps et qu'il faut être en réactivité immédiate. Donc tout ça aujourd'hui nous interroge sur l'organisation de notre pays, alors même qu'en 1982 et en 2004, on a réaffirmé des principes de décentralisation. Donc on a confié à des collectivités des compétences, mais en même temps, l'État n'a pas pu s'empêcher de reprendre les rênes et le commandement de tout ça parce que c'est l'État qui, au final, tient les cordons de la bourse avec les dotations ou même, on va dire, des décisions qui concernent des impôts locaux. Et je pense à ce qui se passe en ce moment sur les impôts de production, c'est-à-dire que l'État dit, je vous donne des libertés, mais il ne donne pas les moyens aux collectivités. Un autre exemple, c'est ce qui se passe avec les départements. L'État leur confie au titre de la solidarité le RSA,
L'État continue à décider les règles du RSA, le nombre de bénéficiaires augmente, mais l'État n'a pas augmenté ses dotations. C'est pourquoi nous, dans les travaux qu'on a menés avec Gérard Larcher, les 50 propositions que l'on a faites qui sortent du Sénat et qui ont été présentées au Premier ministre et au Président de la République, sur les finances, on a pris un principe très simple qui est « qui décide, paye ». L'État décide que les collectivités doivent exercer ses compétences de cette manière, l'État doit financer. Aujourd'hui, je reprends l'exemple des impôts de production, pourquoi l'État, pour aider les entreprises, qui est une bonne idée, ne joue pas plutôt sur une baisse des cotisations sociales, impôts qui appartiennent à l'État, plutôt que de dire « je vais baisser des impôts qui appartiennent, dont les recettes appartiennent aux collectivités ». On a une vraie complexité et un tissu de contradictions. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de la part du gouvernement une affirmation d'aller plus loin dans la décentralisation. On a vu que des lois assez normatives, comme la loi NOTRe, qui avait en quelque sorte pris comme référence de l'efficacité des seuils de population, des seuils de compétences, sauf que la vie, elle ne se met pas en équation sous forme de chiffres. La loi engagement et proximité est venue desserrer. Le gouvernement a proposé au Sénat, il y a 15 jours, un projet de loi sur l'expérimentation. On l'a voté, mais j'ai dit à la ministre, votre texte, il est à souffle court. Il n'y a pas d'audace, c'est très limité. Parce que on voit quand même bien qu'il y a, peut-être dans l'administration, peut-être derrière des politiques, des gens qui gardent cette méfiance par rapport aux élus locaux, qui se disent « il y a vraiment beaucoup trop d'élus locaux, on ne peut pas leur laisser les manettes parce qu'ils vont être dépensiers, ils vont être inefficaces ». Non, alors certainement que dans des collectivités, il y a des exemples de gabegie, sans doute, mais l'État n'est pas le meilleur exemple, puisque les collectivités ont l'obligation d'avoir des budgets de fonctionnement en équilibre déjà. Ça veut dire que l'État, qui nous donne des leçons régulièrement, est le premier à avoir depuis des années des budgets tels qui font qu'il emprunte pour payer ses fonctionnaires, ce qui ne peut pas être le cas d'une collectivité. Donc l'idée ou la nécessité, c'est de restaurer une relation partenariale et de confiance entre les collectivités locales et l'État, qui sont les deux piliers de la République. Ça peut se faire par le biais de contractualisation, ce qui est un bon exemple, mais ça peut aussi se faire par une nouvelle conception de la loi, qui serait une loi cadre, à l'intérieur de laquelle les élus pourraient s'adapter et s'organiser pour être efficaces. Je vais prendre un exemple qui aujourd'hui est possible en Bretagne par le pacte breton, qui a fait suite à l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, mais qui n'est pas possible ailleurs. La loi sur le logement, elle est décidée au niveau national. C'est-à-dire, on vous explique que si vous êtes une commune, dans une communauté d'agglos et plus de 5000 habitants, vous devez avoir tant de logements sociaux, vous devez avoir tant de collectifs. Voilà. Sauf que la réalité de la France fait que, par exemple, en Bretagne, on a des communes qui sont des communes à forte centralité, qui ne sont pas des grandes villes et qui ont besoin de logements locatifs. Et ces communes, parce qu'elles ne sont pas dans une métropole, ne bénéficient pas, par exemple, du dispositif d'investissement locatif. Alors que dans une métropole comme Rennes, à un moment, toutes les communes, y compris la commune la plus rurale de 300 ou 400 habitants, était éligible à l'investissement locatif Pinel, alors qu'il n'y avait aucune demande pour des locataires pour venir habiter dans des immeubles. Donc nous, on propose que, par exemple, le logement soit traité à l'échelle d'un territoire qui peut être l'échelle régionale. Ça ne veut pas dire que c'est la région qui décide, parce qu'il faut faire attention à ne pas recréer un État central, régional, si je puis dire, mais que les partenaires entre eux, c'est-à-dire les intercommunalités et la région, organisent d'une manière efficace, bien adaptée à la réalité du territoire, ces politiques. Nous, au Sénat, dans les 50 propositions que nous avons faites, qui sont disponibles sur le site du Sénat, vous les verrez,
c'est cette idée que on peut être une commune, une intercommunalité, et parfois avoir des compétences différentes, parce que c'est nécessaire. Pour ça, qu'est-ce qu'on propose également? C'est ce que vous avez évoqué. On propose d'expérimenter, parce que l'autre problème que l'on a en France, c'est qu'on a l'art de faire des lois dont on pense à chaque fois qu'elles sont miraculeuses. La réalité nous montre, voilà, que ça n'est jamais aussi parfait qu'on le souhaiterait, et qu'en tout cas, on n'évalue jamais suffisamment la loi. On décide, et après, on se rend compte que ça ne marche pas, donc on vient faire du curatif. Le meilleur exemple, c'est la loi NOTRe, qui a été une loi très douloureuse pour les collectivités et qui a entravé l'action territoriale, parce qu'elle a imposé aux élus, au lieu de les laisser s'organiser, on est venu corriger ce qu'on appelait des irritants avec la loi engagement et proximité. Alors que si on avait pensé avant, mieux évalué, fait des études d'impact plus complètes, et si on avait expérimenté, au final, le dispositif définitif aurait sans doute été, à mon avis, plus juste et plus vrai. Vous pensez à Donc, quels irritants, Françoise? Vous pensez à quels irritants dans la loi NOTRe? La loi NOTRe était une grosse irritation en soi, c'est-à-dire qu'on a eu une loi qui a été. Alors, la loi NOTRe, ce qu'elle a eu de bien, c'est qu'à un moment, pour répondre à ce que vous disiez, Jacques, de on ne sait plus qui fait quoi, la loi NOTRe a voulu dire, bon, alors, on arrête d'avoir chacun qui fait un peu de tout, on confie aux régions la compétence économie. On confie aux régions la compétence mobilité et on donne au département la compétence solidarité. Et le département ne va plus s'occuper d'économie, va plus s'occuper de mobilité. Ça, c'était plutôt très intéressant. Ensuite, on a dit, il faut que toutes les communes s'organisent en intercommunalité. Moi, je trouve ça très juste et très vrai. Je pense que l'intercommunalité est un atout assez fabuleux pour les communes, à condition qu'on respecte l'objectif initial de l'interco, qui est un principe de subsidiarité, c'est-à-dire on fait ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Or, la loi NOTRe, comme la loi MAPTAM, ont sacralisé d'une manière, on va dire, trop intellectuelle pour moi, l'intercommunalité, en essayant de substituer à l'échelon communal, l'intercommunalité. Et on a donc transféré de manière obligatoire à l'intercommunalité toute une série de compétences, la voirie, l'assainissement. Et pour montrer combien il est inefficient de penser que tout peut être réglé dans un seul modèle, je vais prendre l'exemple de voirie. Vendredi, j'ai rencontré un maire qui m'a expliqué, c'est un maire d'une commune de 7 000 habitants dans la métropole de Rennes. Il m'explique qu'il a une association qui organise des courses cyclistes. Une association assez géniale, il a des courses cyclistes bien connues, voilà. Et l'été dernier, l'association est venue le voir, le maire, pour avoir des autorisations de voirie, pour que la course puisse passer sur telle rue et prendre des mesures de sécurité. Eh bien, le maire n'était plus compétent, il ne pouvait plus faire un arrêté pour autoriser le déroulement de la course. La compétence revenait à la métropole. Donc vous imaginez l'intérêt et la réactivité d'une métropole énorme pour gérer des arrêtés, pour organiser une course de vélo. Vous voyez, c'est-à-dire Françoise, rien n'interdit la métropole d'être intelligente et de reconfier au maire ce type de compétences. C'est une forme Alors de très bien, déconcentration. Jacques. Alors c'est ce qu'on a fait avec l'assainissement. Ben voilà. Par exemple, pour l'assainissement, on a dit la compétence, elle est à l'interco, dans les communautés de communes, mais on peut la retransférer aux communes. Moi, je préfère une manière simple de faire, qui est de dire faisons une décentralisation ascendante et partons du principe de subsidiarité. C'est-à-dire, quelle est la question et à quel niveau cette question va être le mieux gérée? Si c'est la commune, on laisse à la commune, si c'est l'interco, on transfère. Et vous voyez, on a eu ces irritants parce qu'à un moment, les élus se sont rendus compte qu'en montagne, par exemple, quand vous n'avez que de l'assainissement individuel, la gestion par l'interco, c'était très lourd, ça coûtait cher et c'était pas assez réactif.
Donc, nous, le principe que l'on propose, c'est que ce soit les territoires qui décident librement de ce qu'elles vont transférer à l'interco, qui est très utile. Ça suppose, par contre, que les élus soient des élus courageux et responsables. C'est une exigence. Mais moi, je pense que l'efficacité, elle est à ce prix, et que l'avantage que l'on a, c'est que nos concitoyens, tous les 6 ans, ils peuvent virer leur maire. Voilà, donc il y a un rendre compte et une obligation de résultat, alors que quand on a affaire à une administration très lointaine, qui parfois, comme les DREAL dans les départements, font la loi à la place du législateur et que ces gens n'ont des comptes à rendre à personne, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il y ait une grande satisfaction de l'organisation de notre pays. Donc c'est un État fort centré sur ses compétences, de la différenciation dans une république une et indivisible, on ne détricote pas la république, on permet donc de la différenciation et surtout on permet d'expérimenter. Ça me paraît extrêmement important. Et pour terminer, est-ce qu'on a trop d'échelons? Moi, je ne sais pas. En tout cas, on n'a jamais réussi à gérer cette question parce que personne n'a osé dire il y a trop de communes. Il faut des communes de 5 000. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est plus dans l'air du temps. Je pense que le bing-bang qu'on a eu avec la loi NOTRe a tellement été douloureux, difficile et peu efficace qu'il faut travailler autrement. Moi, je crois beaucoup aux communes nouvelles. C'est-à-dire, et je pense qu'aujourd'hui, on a des élus qui se disent, pour que mon territoire reste attractif, pour qu'il ait de l'avenir, il faut que je m'organise autrement. Donc, on fait des communes nouvelles. Et l'avantage des communes nouvelles, il y en a quand même un certain nombre en France. Notamment dans l'Ouest. Voilà, c'est porté par les élus. Et donc, les élus portent ça. Et parce que c'est porté, parce que ça correspond à un projet de territoire, ça marche beaucoup mieux. Et puis, vous parliez des départements. Moi, je pense que les grandes régions ont ressuscité les départements. Ben évidemment, c'est pour ça qu'on les a faites. Eh ben, enfin, je ne sais pas si les gens avaient vu ça. En tout cas, c'est une conséquence. Donc, moi, je pense que les départements ont leur place, à condition qu'on les muscle sur leurs compétences de solidarité et d'action sociale, en leur rajoutant aujourd'hui des compétences qui sont mal faites. Voilà, qui sont mal faites par l'État. Je vais prendre un exemple, la médecine scolaire. Aujourd'hui, on fait des constats de pauvreté, de difficultés sociales qui coûtent fort cher à l'État. Je pense que la médecine scolaire était un excellent moyen de prévention et de détection. Et plus on est en prévention, mieux c'est. Or, aujourd'hui, la médecine scolaire, elle est inexistante. Si on confiait aux départements qui ont l'action sociale, la petite enfance, etc., la médecine scolaire, je suis sûre qu'aujourd'hui, on aurait un service beaucoup plus efficace et on serait meilleur en prévention de pauvreté. J'ai beaucoup parlé, donc je m'arrête. Tu faisais référence finalement à un système qui revient presque au CIBOM, hein, c'est-à-dire à l'organisation à la carte des compétences dans les intercommunalités. Parce que ton exemple hein, sur la petite commune dans une métropole ou dans une interco, qui finalement n'a pas les moyens de faire un certain nombre de choses, peut décider effectivement d'avoir recours à l'intercommunalité. Et à l'inverse, une commune beaucoup plus dotée en ingénierie ou plus compétente, en tout cas plus de moyens, parce qu'il y a quand même encore des différences de moyens financiers très importantes hein, entre les collectivités, pourrait, elle, continuer ou décider de garder la compétence. D'ailleurs, on l'a fait, nous, hein, moi, quand j'étais consultante, pour quelques... Moi, on voyait bien que la loi NOTRe, les lois MAPAM, donnaient beaucoup de travail aux consultants pour essayer de mettre en œuvre une loi qui ne correspondait pas à une réalité de terrain facile à mettre en œuvre et que donc, du coup, il convenait à chaque fois de redéléguer tout ou partie des compétences par des conventions de délégation de gestion. Et le grand jeu consistait d'ailleurs pour les métropoles à se passer leurs exemples de conventions pour essayer de voir comment contourner la loi. Et il fallait aller négocier avec les préfets, qui étaient plus ou moins ouverts d'ailleurs, au fait que la loi soit plus ou moins appliquée. Oui. Dans un cas, des préfets étaient, on va dire, entre guillemets, constructifs et intelligents, et dans d'autres, beaucoup moins. Hein. Et donc, là aussi, on voit que ce que tu dis, hein, cette déconcentration ascendante, serait une bonne idée.
Pour autant, on a quand même un gros problème avec les préfets. Moi, je l'ai vécu et les élus. Bien, le problème, c'est leur mobilité. C'est-à-dire, comme ils sont très souvent là quelques temps, parce que quand même, en début de carrière notamment, mais pas seulement, ils gèrent leur carrière, on se retrouve avec des préfets qui ne connaissent pas le territoire. Et selon leur culture, on peut avoir des préfets, finalement, qui ont une vision extrêmement verticale, en fait, des choses. Ou selon leur parcours, s'ils ont été sgars, s'ils ont un jour ou l'autre vécu eux-mêmes dans un territoire, ils peuvent avoir une appréhension très différente de leur rôle, en fait. Hein. Ça, c'est quand même aussi, je pense, une grosse difficulté. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, moi, je promets toujours cette idée, hein, demander à ce que les préfets aient une obligation, comme on pourrait le demander aux médecins, de rester un certain nombre d'années dans un poste, ou qu'ils connaissent suffisamment le territoire dont ils ont la charge de responsabilité. Voilà. Alors, moi, je partage tout à fait ce que tu dis, François. La création des métropoles, initialement, était quelque chose de pertinent. Il s'agissait, rappelez-vous, de pouvoir avoir des collectivités ou en quelque sorte des organisations qui pouvaient chasser en compétition internationale économique à armes égales avec des pays organisés différemment, des lenders ou des régions italiennes. Donc, c'était génial. C'est-à-dire, on a fait au départ des métropoles, des avions de chasse percutants. Et puis, à un moment, on les a transformés en avions cargo, c'est-à-dire on leur a filé la voirie avec le nid de poule de la toute petite commune. Voilà, on a alourdi la métropole, ce qui fait que la métropole, elle est hybride, en ce sens où elle est à la fois en stratégie, en attractivité pour toute une région, et ça, c'est assez remarquable, et on l'a en quelque sorte alourdi, ankylosé, dans de la compétence ordinaire qui nécessite de la proximité. Comme vous habitez la 47e rue de la 50e commune d'une métropole et que vous avez un nid de poule devant chez vous qui vous ennuie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le maire. Sincèrement, le maire a une capacité à gérer ce type de choses remarquable parce qu'il a la réactivité. Et que Françoise décrit très bien le mécanisme qu'on a fait, c'est-à-dire on a fait des lois MATAM et NOTE où on a rendu obligatoire le transfert de la compétence communale à la métropole ou à l'interco. Et les consultants ont été sollicités pour inventer un retour à une antériorité où on redonnait en quelque sorte aux communes, c'est-à-dire à l'échelon communal, des compétences de proximité. Donc moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on s'enquiquine à faire des lois qui complexifient pour qu'après s'ingénier à les détricoter? Voilà, je pense que c'est pourquoi il faut qu'on soit dans des lois cadres, en disant une métropole, elle peut prendre la voirie, elle peut prendre l'assainissement, voilà, tout est possible, mais au territoire de juger de l'efficacité. Ensuite, le deuxième point, François, ce que tu évoques, c'est un point tragique. C'est cette question de culture que l'on a, de préfets qui, en quelque sorte, parfois on a des préfets qui, effectivement, ont des parcours qui les rend plus sensibles à la réalité territoriale. Mais le préfet, il a une carrière à faire. Voilà, donc lui, s'il prend intérêt à sa carrière, et c'est normal, il faut qu'il, en quelque sorte, son action ne contredise surtout pas le gouvernement, il est de passage. Donc, son action est un peu limitée et je pense que c'est dans la formation de ces élites qui sont des gens, enfin les préfets sont des gens assez remarquables. On l'a vu pendant la crise sanitaire, moi j'ai beaucoup travaillé avec le préfet du département du Morbihan dans le cadre d'une mission de suivi de la loi d'urgence sanitaire, j'ai travaillé avec la préfète de région ici, ce sont des gens qui peuvent être assez extraordinaires. Mais pour qu'ils soient tous extraordinaires, il faut revoir leur parcours de formation. Et je pense qu'il faut rendre obligatoire des périodes d'immersion et de stage dans des communes, et pas simplement dans des administrations locales. Et je crois même, moi je l'ai dit un peu en souriant, mais avec sérieux, à une femme maire d'une commune rurale d'Ille-et-Vilaine, qui est une femme assez remarquable, qui dans un petit territoire
a conduit une démarche de PLUI exemplaire et elle a mis fin à ses fonctions. Je lui ai dit, tu vois, je trouve qu'il serait intéressant que des maires comme toi, à l'issue de leur mandat, ils aillent 5 ou 6 mois dans une administration. Parce que le maire et l'élu local, quand ils posent les questions, ils ne posent pas les questions sous forme de technique ou de droit. Ils posent la question en termes de problèmes à résoudre. Mmh. Et donc, il faut se mettre en mode inversé, c'est-à-dire il faut se mettre en mode « j'ai une question ou j'ai un problème, mon objectif ou ma mission, c'est de solutionner le problème ». Et ça, c'est le mental des maires et des élus locaux. Alors qu'on a des fonctionnaires et des grands fonctionnaires, quand vous allez les voir, ils vous disent « ah, c'est très intéressant, mais ça ne va pas être possible ». Et ils vous expliquent pourquoi ce n'est pas possible. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de fonctionnaires pour nous dire que ce n'est pas possible. On doit avoir des préfets et des administrations qui sont facilitatrices, c'est-à-dire qui vous aident à trouver des solutions. Et ça, c'est possible si le législateur irait sur une loi cadre. Je pense qu'on est les uns et les autres assez responsables des mots dont nous nous plaignons. Très bien. On va peut-être. France de Bossuet, hein, Françoise. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des problèmes dont ils sont à l'origine des causes. Eh ben, c'est absolument remarquable. Je note. Et quand je serai en séance le soir, très tard au Sénat, j'y penserai. Voilà. On va peut-être regarder s'il y a des questions. J'ai une question très, très incidente. Si je comprends bien, vous ne semblez pas favorable à l'élection au suffrage universel direct des élus intercommunaux ? Alors, c'est plus qu'il ne semble pas. C'est-à-dire, j'y suis totalement opposée. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a deux, je pense qu'il y a deux stratégies. Il faut faire le choix entre les deux. Soit on dit l'échelon communal est par trop impuissant. L'échelon communal, il répond à ce besoin de proximité. Mais il n'a d'intérêt que s'il conjugue l'efficacité. Et dans notre pays, on a des communes de 10, 15, 80 habitants. Enfin, ça pose question. Hein. Bon. Donc moi, je ne défends pas la commune de 10 ou 15 habitants à grand cri. Mais, donc, soit on dit, on supprime les communes, ou on dit qu'une commune, elle fait au moins 5000 habitants, et que, où l'interco devient la commune. On substitue à la commune, dans ce cas, c'est le suffrage universel direct. Mais si vous considérez que la commune, c'est l'échelon de proximité et de gestion des choses du quotidien, comme les révolutionnaires l'ont défini, et que le maire, il a la responsabilité des choses et qu'il lui appartient de s'organiser pour être efficace. Ça veut dire qu'il y a plus de 40 ans que les gens, ils ont inventé des regroupements pédagogiques, des syndicats de trucs et de machins pour faire des choses ensemble. Et que si on considère que l'interco est utile et indispensable, mais qu'elle procède des communes, et qu'elle est fédérale, finalement, et qu'elle agit selon un principe de subsidiarité, vous ne pouvez pas élire les conseillers communautaires au suffrage universel direct au-delà du fléchage. Parce que je ferai remarquer que les conseillers communautaires sont déjà élus au suffrage universel direct par le biais du fléchage. Si vous allez plus loin, moi je crie au danger parce que nos concitoyens qui sont pleins de bon sens, quand ils vont voter, si vous faites deux scrutins, un scrutin pour la commune et un scrutin pour l'interco, beaucoup de nos concitoyens vont dire, selon le principe, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, eh bien, on va mettre la liste A à la commune et la liste B à l'interco. Et après, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on va pouvoir gérer une action publique efficace quand à l'interco se retrouve l'opposant du maire de la commune? On a quelques situations comme ça en France où c'est l'opposant du maire qui est le représentant de la commune à l'interco. Mais ça ne marche pas parce que les gens, ils gèrent juste leur opposition. Donc moi, je crois beaucoup à l'interco, mais je crois beaucoup la crise sanitaire avec la crise économique et la crise sociale, la crise des gilets jaunes l'ont montré,
La commune, c'est la clé d'entrée. Maintenant, le maire, il ne peut pas être replié sur lui-même. Et moi, je crois beaucoup plus aux communes nouvelles, qui sont des révolutions silencieuses entreprises par des élus et qui marchent bien parce que c'est un projet de territoire, plutôt qu'à une décision autoritaire qui dirait « on a maintenant 35 000 communes, il y en a trop ». Personne n'a osé le faire. C'est sans doute qu'il y a une raison. Et en tout cas, moi, je dis attention au danger. Maintenant, je pense qu'il appartient aux élus de ne pas rester crantés sur leur petit rocher. Il faut bouger parce qu'une commune qui ne bouge pas, elle va perdre de son attractivité. Les gens vont aller dans des communes où il y a des services. Des gens qui viennent de la ville aujourd'hui, dans nos campagnes, avec la crise sanitaire, ils exigent beaucoup de services. Et si le maire, il n'a pas su faire bouger ses lignes de manière positive et constructive, la commune, elle est morte. Donc, si vous croyez à la commune, vous croyez beaucoup à la commune nouvelle et vous croyez à l'interco, mais dans cette manière intelligente. Et la mutualisation, il y a eu des expériences très fréquentes, très efficaces, mais on a vu aussi dans certains territoires, suite à des élections, des démutualisations. Oui. Ce qui fait que, en termes d'efficacité de la politique publique, de dépenses publiques, on peut arriver à avoir finalement, in fine, hein, au bout du compte, des dépenses qui sont plus importantes que si on est resté dans la situation initiale. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour la mutualisation, dès lors qu'elle a été mise en œuvre, lui donner un peu de solidité, puisque comme c'est conventionnel, ça n'a pas de valeur. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est une question de fond qui est liée à la démocratie. La démocratie dit que tous les 6 ans, les maires remettent leur mandat en jeu et que ce sont nos concitoyens qui choisissent les élus et le programme qu'ils souhaitent. Et que si à un moment, on a des concitoyens qui rejettent totalement la politique menée par un maire parce que pour des raisons X ou Y, est-ce qu'on a le droit par la loi de dire une mutualisation engagée, elle est irréversible? Et qu'en même temps, je partage, François, ce que tu dis, parfois il y a des choses regrettables qui se font. En ce sens, la commune nouvelle est extrêmement audacieuse et elle est unique en son genre, puisque c'est une création voulue par les seuls élus, mais elle est irréversible. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de divorcer, de se séparer. Voilà. Ah ouais, ce qui veut dire que ça oblige les élus en amont à beaucoup travailler, à faire des études d'impact, à sentir si les uns et les autres, ils vont être capables de travailler ensemble. Donc moi, je trouve que c'est, c'est vraiment une révolution culturelle que cette commune nouvelle. Et ensuite, de manière plus générale, ce qu'on constate, c'est que l'action publique, c'est comme une entreprise, comme n'importe quoi, ça n'est jamais conduit que par des hommes et des femmes. Et que chez les hommes et les femmes, on a le meilleur et le pire. N'est-ce pas ? Et qu'on peut avoir des élus géniaux, comme on a parfois des élus médiocres, des élus peu ouverts, des élus qui s'intéressent qu'à leur pouvoir. C'est toute la richesse et la pauvreté humaine. Bon, mais est-ce que, du coup, pour pallier ces défaillances de la nature humaine, il faut se dire que la loi doit pallier tout ça en disant que ce qui a été fait un jour ne peut jamais être défait? Moi, j'y croirais si le législateur était toujours excellent et toujours vertueux. Et si l'État qui propose des projets de loi et qui était pareil, sauf que on voit bien que même au Parlement, nous y allons avec toutes nos qualités et toutes nos faiblesses. Et que moi, je le dis mais avec beaucoup de franchise, je suis stupéfaite parfois du raisonnement que nous, les législateurs, nous avons et de la manière dont, parce que dans nos territoires, il y a une difficulté, un problème. Qui est parfois lié à l'incapacité des gens à se parler, on se dit « bon, moi, je vais régler ça par la loi ». Et comment on essaie de faire que la loi va régler un problème local qu'on n'a pas réussi à régler,
localement, venir ainsi s'imposer à tout le monde et créer des difficultés partout. Voilà. Donc, moi, je pense que, comment dire, le génie des hommes est extraordinaire, mais il a un peu ses limites, et que tout ça, c'est une activité humaine. Il faut que l'État, la loi encourage et stimule, et en ce sens, Françoise, la mutualisation aujourd'hui doit être totalement encouragée. Et qu'à un moment, tu donnes un bonus financier aux gens qui font de la mutualisation. Moi, je n'aime pas les bonus financiers, hein, parce qu'on a encouragé les gens à prendre des tas de compétences en leur donnant 3 francs 6 sous. Et j'ai l'exemple d'une communauté de communes chez moi, dans mon département, que l'excès de bonus à prendre des compétences a mis sur la paille, puisqu'ils ont pris toutes les compétences qu'ils pouvaient pour augmenter leur CIF, augmenter leur dotation, et au final, ils ont été incapables de les exercer. Donc, ça a mis un bazar infini. Donc, moi, je ne suis pas très, très favorable au bonus financier. Mais sur la mutualisation, je pense que quand les gens sont vertueux, on devrait, notamment sur les aides aux investissements, on prend l'exemple de communes qui, à plusieurs, font une salle de sport, une salle des fêtes. Ça, c'est vertueux, parce que c'est une dépense publique plus intelligente. Bon, là, je pense qu'on pourrait avoir des majorations de dotation. Donc, faut trouver l'équilibre et la perfection, elle n'est pas de ce monde, quoi. Mais on a des progrès. Si on en est, Françoise, à vouloir inciter financièrement des communes à mutualiser, c'est quand même gravissime. Ça veut dire que la mutualisation en elle-même ne générerait pas d'économie alors qu'elle est faite pour ça ? Alors, ça, c'est la grosse question. Mutualiser peut générer des économies, mais pas forcément. Je vais prendre un exemple. Il y a eu toute une analyse à un moment sur le fait qu'on avait généralisé les intercommunalités et les dépenses du bloc local n'avaient pas diminué. Bah, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le bloc local a créé de nouvelles compétences. Moi, dans mon interco, j'avais pris la compétence petite enfance qui m'a permis d'avoir des crèches, de l'accueil petite enfance. Donc, j'ai généré des dépenses supplémentaires, optimisées, mais c'était un vrai service dont on avait besoin, puisque ça rendait service à la population chez moi, qui était essentiellement une population de ménage avec un taux de biactif extrêmement important. Et si les gens voulaient aller travailler et si les entreprises devaient trouver des salariés, il fallait créer des services petite enfance. Donc, moi, j'ai augmenté mes dépenses, mais je l'assume. Par contre, je prends des exemples comme ceux que j'ai pris. À un moment, on a vu toutes les communes vouloir faire des terrains de foot synthétiques parce que c'était le truc génial. Ridicule, sincèrement. Est-ce qu'on ne peut pas dire la commune X, elle fait un terrain de foot synthétique, la commune Y fait un pôle de tennis et on partage, on mutualise et on encourage les associations. Ça, c'est intelligent. Par contre, tu as encore des élus, il faut le dire. Qui disent « Ah non, moi je veux que ce soit sur ma commune et je ne suis pas capable d'aller dire au président de mon association de foot, ben, le foot, vous irez le faire dans la commune voisine. Ben, » ça, ils ont tort. Voilà, donc je pense que moi, je suis plutôt confiante dans les nouvelles générations d'élus. La nouvelle génération d'élus, elle a un souci d'efficacité, elle est moins cloche-mère, sans doute, et elle veut apporter plus à ses habitants. Et pour apporter plus dans un territoire, il faut mutualiser. Voilà. Donc, il faut des élus de qualité, c'est sûr. Il faut des élus courageux. Et il faut que l'État les reconnaisse. C'est pour ça qu'il faut que l'État reconnaisse que ces élus, les collectivités, pour moi, c'est un peu le cœur de la République. Parce que s'il n'y a plus de cohésion sociale, s'il n'y a plus de proximité, s'il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de nation. Et l'État est en grande difficulté. On l'a vu au moment des gilets jaunes et de la crise sanitaire. Et là, on va le voir dans la crise sociale et économique qui arrive. Qui va être au front ? Qui va gérer la crise sociale ? C'est les communes. C'est sûr. On va quand même donner la parole à Léo s'il y a des questions qui ont été posées en ligne. Oui, alors il y a une première question de Issam Charour. Pouvez-vous donner votre avis sur les mécanismes de financement des collectivités et de leurs impacts sur les actions locales? Oui, alors je peux donner mon impression, mon sentiment.
Je pense qu'on est un peu au bout du bout, mais c'est un peu comme l'histoire, est-ce qu'il y a trop de communes ou pas? On a sédimenté, Françoise, tu connais ça mieux que moi, on a sédimenté des réformes. On a fait des réformes, je prends l'exemple de la taxe professionnelle. On a fait des réformes, mais en même temps, on est venu compenser pour que personne perde. On a mis en place un fonds de péréquation, le FPIC, à un moment où il y avait une histoire intercommunale particulière. Aujourd'hui, l'histoire intercommunale est bouleversée, on a gardé tout ça. Donc moi, sincèrement, personne ne s'y retrouve. C'est compliqué. En même temps, tout le monde dit qu'il faut faire la révolution, mais personne ne veut perdre. Donc, c'est un sujet. Et chacun dit qu'il faut une autonomie, il faut une autonomie financière et fiscale des collectivités. Moi, j'avoue que ça me laisse dubitatif, parce que donner une autonomie fiscale à des collectivités, je prends l'exemple du Cantal, si vous n'avez personne à imposer, vous pouvez toujours avoir une autonomie fiscale, vous n'aurez pas de rendement de l'impôt. Bon, donc ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'aimerais une idée toute simple, qui est assez allemande, qui n'est pas française, que l'État dise, voilà, une commune, elle gère pour nous, par exemple, les écoles. On sait que le coût d'un enfant scolarisé en maternelle ou en primaire s'étend. Eh bien, il faut que chaque commune ait la capacité d'assumer ce service. Donc, on lui donne pour cela une dotation particulière qui est liée au nombre d'enfants. Ensuite, on laisse aux collectivités un peu d'autonomie, on va dire fiscale ou financière, je ne sais pas comment, pour leur permettre d'ajuster leurs dépenses publiques. Ça voudrait dire qu'une commune qui, par exemple, en matière d'éducation ou de petite enfance, veut aller plus loin parce qu'il y a des vrais besoins dans son territoire, elle ait la capacité de le faire, mais c'est sa liberté. Ça n'est pas imposé par l'État. Si je reprends mon principe de qui décide paye, ce qu'une commune décide librement de faire, c'est elle qui doit payer. Elle ne peut pas aller demander à l'État de financer des dépenses qu'elle a choisi de faire, comme l'État ne peut pas demander aux collectivités de financer des dépenses qu'il lui impose. Donc moi, j'avoue que, je ne sais pas, faudra un grand soir de la fiscalité locale, mais plus je m'y plonge, moins j'y crois, parce que intellectuellement, on arrive à faire des trucs sympas. Et puis, quand chacun commence à regarder ce que ça va faire sur son territoire, on arrête parce que les gens qui vont perdre, ils ont peur. Eh ouais. Mais à un moment, il va bien falloir s'attaquer à ça. Confère la révision des bases fiscales. Oui. Léo, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors il y a une question, mais je pense que vous en avez déjà parlé, mais je vous la pose quand même, puis vous verrez. Alors, c'est Régis de Valence qui nous dit la question n'est-elle finalement pas sur la capacité des collectivités de parler entre elles, et assurément surtout les plus grosses collectivités avec les petites qui les entourent? Excellente question, qui est, enfin, une question qui est une affirmation, et moi, j'adhère totalement à ça. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, dans la vie économique, la vie sociale, on voit que la meilleure organisation, c'est celle qui est agile, c'est celle du réseau. Alors que nous, par la loi NOTRe et la loi MAPTAM, on a fait une organisation taylorienne. C'est-à-dire, on a dit, on fait des intercons, on fait des métropoles, ça va être super, parce qu'on va pouvoir tout faire à l'intérieur. C'est faux. Je vais prendre un exemple en matière de tourisme. Vous avez des collectivités, des intercommunalités qui, dans leur territoire, n'ont qu'une commune avec un potentiel touristique. Le reste du territoire est plutôt industriel. Ce qui fait que l'interco, elle cultive une indifférence par rapport au tourisme, alors que le tourisme, son activité profite à l'ensemble d'un territoire. Et que la commune X, qui est dans une interco peu touristique, elle doit travailler avec le territoire voisin. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il faut être dans ce que j'appelle l'intelligence de solution. Alors, c'est moins cartésien, ça nous plaît moins, mais la vie, elle est comme ça. C'est comme l'eau. L'eau, à un moment, quand elle a décidé de jaillir, elle jaillit et vous vous adaptez. Nous, on voudrait formater la vie à un modèle qui ferait qu'on l'aurait géré une fois pour toutes et ça va bien. Non, ça ne marche pas. Donc, effectivement, moi, je crois beaucoup au réseau. Alors, on a un exemple de loi que j'ai trouvé très pertinente, c'est la loi sur les mobilités, où on a défini
pour agir en matière de transport, des périmètres de mobilité. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément au sein d'une même interco que se trouvent tous les bassins d'emploi et qu'il faut sans doute travailler avec votre voisin. Donc, vous devez travailler à deux ou trois intercos pour mettre en place un réseau de transport qui réponde aux vrais besoins des gens. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Ensuite, je crois qu'il faut aller parfois au-delà. Un exemple, quand dans un département, vous avez une métropole qui est assez puissante financièrement et en matière d'ingénierie, et qu'il reste une partie du territoire qui toutefois accueille des habitants, fournit des ressources naturelles, mais qui concentre un peu la pauvreté. Je pense qu'il devrait y avoir des contrats de réciprocité. Et qu'une métropole un peu riche, elle doit pouvoir travailler avec le reste du département en disant, travaillons ensemble sur le réseau de transport, vous permettez que moi j'accueille des entreprises parce que le logement est trop cher chez moi et les gens vont chez vous. Donc on fait un accord de réciprocité. Et moi je crois beaucoup plus, et c'est l'esprit de la commune nouvelle aujourd'hui, à ce qu'on appelle l'intelligence territoriale, c'est-à-dire la fabrique de solutions qui viennent du territoire et que vous ayez la capacité à travailler, par exemple, la question de l'assainissement avec votre voisin. J'ai un exemple, mon intercommunalité. Dans mon intercommunalité, nous étions trois communes à avoir une station d'épuration en commun. Nous étions sur trois intercos différentes, mais nos tuyaux étaient reliés. Comment on fait après? On débranche, voilà, parce que on avait un relief, une géographie qui faisait qu'en faisant une station d'épuration commune, on avait vachement mutualisé, optimisé. Donc voilà, moi je crois qu'il faut faire confiance à l'intelligence territoriale. Alors après, ça soulève une question qui arrive aujourd'hui comme une petite musique très forte. Ah non, 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 la différenciation, il ne faut pas avancer, parce que vous comprenez, c'est source d'inégalité, de compétition entre les territoires. C'est-à-dire, vous allez encourager l'effort à avancer, les autres, ça n'a pas bougé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, sincèrement, lisez ce qu'a écrit le professeur Dumont, qui est géographe à la Sorbonne. Il écrit qu'il n'y a pas de fatalité dans les territoires. Il vous explique, par exemple, qu'à Carhaix, en Bretagne profonde, il y a des gens qui ont inventé le festival des vieilles charrues. Un truc de fou. Connu dans l'Europe entière, que Monory, à un moment, dans des champs de maïs où il n'y avait rien, il a fait le futuroscope. Parce que c'est des gens qui, à un moment, parce qu'ils sont de leur territoire, ils en ont la responsabilité, ils savent inventer des trucs et travailler en intelligence. Donc moi, je crois beaucoup à ça, mais il faut que les élus se bougent. C'est-à-dire, si on a des élus qui se contentent de dire, ah moi, je ne peux pas, parce que monsieur le préfet m'a dit non, machin, et qu'il exécute des décisions, c'est un fonctionnaire. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des élus très mobilisés, très exigeants, ce qui rend l'exercice compliqué aujourd'hui, parce qu'il faut du temps, il faut avoir envie de s'investir, et ce n'est pas facile. Donc ça, c'est un autre sujet, hein, l'engagement des élus, mais c'est un sujet de fond. Léo, autre question? C'est un peu long, mais donc je vais vous lire, il y a... Je vous lis ça. Donc, Gwendal Lecointre nous dit, l'argument premier des politiques concernant le regroupement des intercommunalités est la volonté de faire des réductions économiques. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le secteur public, 1 plus 1 égale 2,5. Quel est donc le vrai intérêt de ces regroupements? Moins fluides, plus complexes et plus coûteux, et ce n'est pas tout. Ne faut-il pas inscrire dans une loi le principe de mutualisation de services au sein des intercos, afin de ne pas laisser les communes les plus importantes prendre le pas sur les plus petites? Ah, quelle question. Sur la mutualisation, vous savez que y a eu dans une loi une obligation de schéma de mutualisation pour les intercos et que chaque année, le président doit faire un rapport sur la mutualisation. Donc la mutualisation, elle est indispensable, elle est nécessaire. C'est la raison même de l'intercommunalité. Un principe de subsidiarité, faire plus ensemble. Ensuite, je partage un peu ce que vous dites comment dire, le défaut de certaines intercos. Et je reprends l'exemple des métropoles avec la compétence voirie et le maire de cette commune qui a besoin d'un arrêté pour organiser sa course cycliste. C'est que ce maire,
m'a dit un truc de fou. Il m'a dit, alors moi, j'ai plus la compétence voirie, toutes les demandes sont adressées à la métropole, mais j'ai un salarié qui se consacre uniquement à la traçabilité des questions que l'on pose à la métropole en matière de voirie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez éloigné la question, la solution du sujet, vous êtes obligé de suradministrer des choses qui se faisaient d'une manière plus light. Et je prends un exemple que je donne volontiers à des enfants quand je vais dans des lycées ou des collèges. Je dis, vous voyez, une PME ou un artisan, il est très réactif, vous lui téléphonez, il arrive, il fait sa facture, machin. Bon, voilà. Il est capable de vous rendre un type de service. Ensuite, en économie, on a besoin d'entreprises d'autres gabarits, des entreprises nationales et des multinationales. Mais elles ne font pas la même chose. Eh bien, moi, je crois qu'en organisation, c'est la même chose. Si vous donnez à la métropole, et la voirie est un très bon exemple, le sujet de la voirie, vous suradministrez parce que vous avez à gérer un territoire qui est très grand avec des questions très concrètes. Donc, vous embauchez du monde et vous êtes obligé de créer des postes de médiation entre la commune et l'interco. Et moi, je me dis, mais pourquoi on a fait ça? À mon avis, c'était beaucoup plus simple de laisser à la commune. On avait ce qu'on appelle un circuit court qui est très tendance aujourd'hui en consommation, mais nous, on ne sait pas les faire en organisation territoriale. Et rien n'empêche une commune de faire des marchés groupés avec deux ou trois autres communes. Oui, pour moi, c'est des solutions plus intelligentes parce que vous avez l'efficacité de la mutualisation et vous avez le circuit court de décision et d'action. Donc, l'interco tel qu'on l'a inventé, il y a bien des endroits où l'interco, elle est devenue, comment dire, obèse. Obèse et infirme. Elle n'a plus la réactivité, elle s'est éloignée des gens et vous avez bien vu. Entre 2017 et 2020, quand la mise en place des intercos plus grosses, parfois qui étaient des mariages forcés, s'est mise en place, vous avez eu des élus qui ont déserté les sièges des intercos parce que c'est trop long, c'est trop loin, les gens ne participent pas aux décisions, c'est très compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut garder à chaque fois le principe de subsidiarité. À quelle échelle on fait mieux les choses? On va dire, si par exemple dans mon département d'Ille-et-Vilaine, il y a 10 collectivités qui disent pour nous, c'est au niveau communal, et qu'il y en a 15 qui disent que c'est au niveau intercommunal, mais ça gêne qui? Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour gérer ça? Si le service est rendu d'une manière optimisée, eh bien, c'est ça l'enjeu. Au tout début, hein, Jacques l'a dit, et moi, c'est mon sujet, à chaque fois je dis ça. On ne parle pas de la décentralisation, la déconcentration en soi, ce n'est pas un sujet. La question qui nous obsède, c'est comment on s'assure de l'efficacité de l'action publique. Et l'efficacité de l'action publique, c'est quoi? C'est le meilleur service au moindre coût, dans les meilleurs temps. Voilà. Et donc, quel outil on invente pour ça? En gros, c'est, encore une fois, ça repose sur la démocratie et la confiance dans les élus. Relisez ce qui a été dit par les révolutionnaires au moment de la création de la commune. C'est quand même un truc remarquable. Ils ont décrit la commune comme. Alors, il y avait à la fois un État puissant, très fort, qui faisait citoyenneté, qui faisait république, voilà. Et en même temps, ils se sont dit, il y a des choses du quotidien qui doivent être réglées à une échelle de territoire. Par les gens qui y vivent, parce que c'est leurs affaires, c'est leur truc. Et pour faire ça, il faut que le territoire il soit une taille qui corresponde à des choses du quotidien. Et puis, bah, qui va faire ça? Bah, les citoyens vont élire des citoyens qui vont gérer ça. Mais c'est d'une vérité absolue. Et nous, on a un peu oublié ça. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut garder en tête cette invention qui est assez fabuleuse. Faire confiance, se baser sur ce principe de subsidiarité et avoir, pour reprendre ce qu'a dit Françoise tout à l'heure, un État facilitateur. Vous avez des communes, et Françoise l'a dit aussi,
qui ont des capacités d'ingénierie. D'autres communes, où remplir un dossier de subvention, faire des dossiers pour l'assainissement, c'est compliqué. Ben, il appartient à l'État d'être présent. Moi, je pense que l'interco doit permettre. Vous voyez, on dit la gestion de l'assainissement, c'est l'interco. Ce n'est pas le sujet. C'est plutôt comment on aide les communes à avoir un assainissement qui est optimal, quels services on met à disposition. Et l'interco, plutôt que de prendre des compétences, elle devrait mettre de l'ingénierie au service des communes. Comment dans mon interco, j'ai quelqu'un qui vient aider une commune à travailler sur son PLU si on n'est pas en PLUI, à monter un dossier pour une subvention européenne, c'est ça le sujet. Et puis vous avez ce truc qui est l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors on ne va pas en parler, c'est trop long, mais ça c'est un vrai sujet. Ça a été inventé pour venir donner de l'ingénierie aux communes. Alors on va beaucoup suivre ça à la délégation. Voilà, c'est donner des moyens, faire confiance et être au meilleur niveau. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on complique tout. Interco de mission plutôt que interco de gestion. Interco de projet. Alors, il peut y avoir de l'interco de service. Par exemple, on a des, je donnais l'exemple de communautés de communes, ils sont plutôt des petites, qui ont organisé des services petite enfance remarquables, qui peuvent parfois gérer les écoles. Mais ensuite, moi, je pense qu'une interco, c'est une interco, c'est un projet pour un territoire, et c'est une interco qui vient donner des moyens aux communes de faire des choses. Voilà, je trouve ça pas mal, et d'échanger des bonnes pratiques. Vous voyez, c'est aussi majeur ça. Il y a d'autres questions, Léo ? Oui. Alors, il y a une question de Kevin Mingour qui dit « Au fond, si la loi 3D-4D doit permettre d'apporter souplesse et efficacité, ne nuira-t-elle pas à la bonne lisibilité du rôle de chacun pour les citoyens en multipliant les cas particuliers ?» Et il pose une deuxième question « Ne devrait-elle pas, à minima, pour les métropoles, garantir qu'elles ne soient pas détricotées et perdre en efficacité sur des compétences pour lesquelles elles doivent donner de la lisibilité ?» J'aime beaucoup la question parce qu'elle est essentielle. Alors, 3D, alors vous savez que 4D, le quatrième D, déjà, c'est tout un schéma. C'est décomplexification. Alors déjà, rien qu'avec ce mot-là, ça effraie un peu. Hein, parce que déjà que c'est compliqué de simplifier, mais ça va être compliqué de décomplexifier. Bref, moi, je pense que la loi 3D, elle va être à souffle court. Ça va être un petit truc. Bon, en tout cas, beaucoup moins ambitieux que les 50 propositions du Sénat. Alors que je pense qu'il ne faut pas faire de Big Bang territorial, mais il faut se mettre dans ce changement de culture qui dit, voilà, la loi, elle permet, vous pouvez faire. Mais vous pouvez faire, ce n'est pas tout et n'importe quoi, parce que c'est le législateur qui permettra de faire de la différenciation en logement, par exemple. Voilà. Ce sera soumis à un contrôle de l'égalité. Donc, on n'est pas dans le grand « je détricote », et chacun fait ce qu'il veut et on prend notre indépendance. Ce n'est pas ça. C'est, encore une fois, de la souplesse pour permettre que ça marche. Moi, si quelqu'un peut me montrer aujourd'hui que ce pays, il marche extrêmement bien et que tout va bien, on arrête là et on ne parle pas de 3D. On voit bien que c'est lancinant cette expression parce que notre pays est ankylosé et je dis mal organisé. L'État, la différenciation, ce n'est pas la suppression de l'État, c'est un État puissant, très fort sur ses compétences et le reste, on permet de manière encadrée d'adapter les choses aux réalités. Et est-ce qu'il va y avoir des choses particulières? Mais est-ce qu'une commune du littoral, c'est la même chose qu'une commune de montagne? Est-ce que le Cantal, c'est la même chose que le Nord? Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire, vous avez des phénomènes culturels, des phénomènes géographiques qui font que les situations sont différentes. Quand vous dites que chacun a loin à la mobilité, comment vous traitez la question du Cantal? On ne va pas y mettre un métro. Comment on fait? Donc, vous voyez que la vie, elle est particulière au sens où elle est faite de situations différentes. Et que l'objectif dans notre République, c'est l'égalité de droit et de liberté. Et que pour que quelqu'un du Cantal ait le
la liberté de se déplacer, il faut sans doute qu'on invente des solutions différentes que dans le Grand Paris. Donc, affirmer la nécessité de la différenciation, c'est simplement être très factuel et bien partir de ce qu'est la réalité et en même temps ne pas renoncer à cette égalité de droits et de liberté. Alors que quand vous uniformisez les choses au nom de l'égalité conçue comme c'est la même chose pour tout le monde, vous faites un contresens. Je veux dire, là encore, l'autre jour, j'étais dans un lycée, un collège, et quand je parle de ça aux enfants, je prends un exemple très simple, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire tous les Français ont le droit de marcher, mais tout le monde va porter un seul modèle de chaussure, c'est la taille 39. Ça ne va pas le faire. Et donc, autrement, Françoise, les nains sont bas, abaissons les portes. Eh bien, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et moi, je dis non. Chacun, on a l'obligation de permettre à chacun de marcher. Bah, donnons-lui la chaussure qu'il peut. Et est-ce que quelqu'un qui chausse des 39 a une particularité qui relève de l'inégalité par rapport à quelqu'un qui chausse du 36? Non, vous lui avez donné les moyens d'atteindre une égalité. Voilà. Après, moi, je pense que il faut oser, il faut y aller dans un cadre contrôlé. Encourager la différenciation, c'est pas fracturer de manière puzzle, comme dirait Audiard La République. Sinon, expliquez-moi comment aujourd'hui la différenciation qui est la règle en Outre-mer gêne la République. Non ? Si on considère qu'à Mayotte, en Guyane ou je ne sais pas où, ça ne peut pas être les mêmes choses, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Voilà, donc moi je pense que l'objectif, encore une fois, c'est l'efficacité. Si on me prouve qu'aujourd'hui, la manière dont ça marche, c'est extrêmement efficace, eh bien, gardons-la. Sinon, comment fait-on pour être plus efficace? Donc, il faut d'abord faire des études d'impact, il faut évaluer, il faut expérimenter, il faut différencier. Regardez ce qui se passe pour la crise sanitaire. On a bien vu que la maladie, l'épidémie varie selon les départements. Eh bien, on s'adapte aux réalités locales. Est-ce que pour autant, on développe de l'inégalité? Non, non, on renforce des moyens de prévention sanitaire pour des gens qui sont plus en danger. Donc, je crois que c'est un changement de regard sur les choses et on a, comment dire, on a un intellect qui a été gâché par des années de jacobinisme et des années d'une définition de l'égalité qui est juste de l'inégalité, parce qu'on confond uniformité et égalité, et l'uniformité n'a jamais fait l'égalité, au contraire, elle crée des distorsions et de l'inégalité. Et l'État, quand on a des territoires qui ont des moyens différents, ben l'État doit inventer des sortes de péréquations. Mais donc il faut qu'on se libère, il faut une grande psychanalyse dans ce pays, il faut qu'on se libère et qu'on ose, et comme on a peur, eh bien, laissons des territoires expérimenter des choses. Et puis, si ça marche, si d'autres ont envie de le faire, faisons-le. Mais pourquoi on va imposer à tout le monde la même chose? Moi, je... Et alors, et je terminerai par là. Dans le texte Petit Bras là, que Madame Gouraud nous a présenté sur l'expérimentation, elle facilite l'expérimentation, ça c'est génial. Mais elle dit, quand l'expérimentation est terminée, on pérennise. On ne généralise pas, mais on peut pérenniser sur une partie du territoire. Sauf qu'elle nous dit, et nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça, bon, on l'a dit, mais bref. Elle dit, si c'est par exemple une intercommunalité qui a expérimenté un truc, l'expérimentation est positive, eh bien, ce sera pérennisé dans l'interco en question, mais au nom de l'égalité. On généralisera cette expérimentation aux intercos similaires. Non, mais c'est complètement fou. Pourquoi vous allez imposer un truc spécifique à des intercos qui n'en ont pas besoin? Nous, dans les 50 propositions du Sénat, on permet que des collectivités, par exemple des communes, elles puissent avoir des éléments de différenciation, c'est-à-dire parfois aller plus loin que d'autres. Voilà. Et trouver deux intercos similaires, bon courage. Hein. Bah, moi, tu vois, par exemple, c'était le cas de l'assainissement. Nous, on était favorables aux compétences facultatives. D'ailleurs, la loi a reconnu que pour les intercommunalités, c'est des compétences facultatives. C'est-à-dire, tu les prends si tu as besoin. Moi, ça ne me gêne pas.
Faut accepter ça. En quoi il y a danger? Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je pars du principe, alors peut-être que je suis naïve, que de toute façon, celui qui commande au final, c'est le citoyen et c'est l'électeur. S'il n'est pas content, il vire. Donc, si les élus ne conduisent pas bien leur action publique, il y a une sanction. Alors, moi, je suis très honorée et très heureuse que vous, certains, aient une confiance absolue dans la loi. Vraiment. Bon, mais moi, je pense qu'on ne mérite pas autant d'honneur, parce que je ne suis pas sûre que la loi, elle ait à chaque fois été miraculeuse, quoi. Il y a combien de lois dont on se dit, franchement, elle appauvrit, elle empêche les scléroses, voilà. Donc, c'est vraiment une autre façon, de faire, qui est de la démocratie ascendante, basée sur un principe de subsidiarité. Et nous qui sommes cartésiens, voilà. Et en même temps, quand on me dit, bah oui, mais dans des départements, tu as possibilité de faire des choses, dans d'autres, tu n'as pas, il faut qu'on accepte ça aussi. Parce que ça va être quoi? Ça ne va pas être énorme. Je veux dire, on ne va pas avoir des communes qui vont renoncer à avoir des écoles, des cantines, pas du tout. C'est juste des choses en plus qu'on peut faire, quoi. Ok. Enfin, parce que là, on est un petit peu, on est allé un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Léo? Il y en a combien qui resteraient éventuellement? Je n'ai plus de questions. Ah bah ça, voilà. Bravo. Bah, écoute, merci Françoise, hein, c'était parfait et brillant comme à son habitude. Très pragmatique et très concret. C'est très bien d'avoir donné des tas d'exemples hein, pour illustrer les choses. Hein. Ça permet de bien comprendre. Comment dire les choses pour ceux qui éventuellement ne seraient pas aussi au fait hein, des problématiques locales et de ce projet de loi à venir. Mais bon, est-ce qu'il va sortir un jour d'ailleurs ce fameux projet de loi? Bon, bah écoute, merci. Hein, Merci c'est beaucoup, Françoise. vraiment parfait. Merci, merci beaucoup de votre invitation. Alors, le projet est annoncé pour le début d'année 2021, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais ça va venir. Et puis encore une fois, moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle le bottom-up. C'est-à-dire partir du fait et de la question pour la résoudre, plutôt que de partir en super cartésien que nous sommes, de concepts qui ensuite doivent rejoindre la question. Voilà, il faut un monde inversé. En tout cas, j'ai été ravie de cet échange. Vraiment, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ben écoute, on Et était nous. ravis nous aussi, hein, c'était parfait. Hein, Merci et beaucoup. Et bon on se retour retrouve. en Bretagne. Voilà, et on Mais trouve bien des solutions. j'y Ah ben suis. alors, voilà. Je pars à Paris ce soir, si les trains marchent. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, Merci quand la loi Françoise, à sortira, bientôt. quand la loi sortira, peut-être qu'on fera hein, un petit commentaire Ah, sur avec ou avec bonne toi. heure. Merci, D'accord? merci à vous. Au À revoir. bientôt. Au revoir et merci à tous les inscrits et participants. Au revoir. Merci, merci Françoise, merci Jacques.